une pensée. Dans un décor qui dépeint un monde insensé, des gens modestes repoussent leurs projets qui ne sont pas possibles. Parce que le goût de la vie menace de les distancer, ou parce que les coups durs sur le chemin demeurent imprévisibles. J'observe le contexte se muer jour après jour en un bouleversement plus profond que la veille. Le système roule à sa manière, les drames constituent la matière de laquelle les humains se préparent à la période de l'éveil. Je vois des gens se battre pour réduire la souffrance humaine, mais d'autres humains satisfaits s'amusent de brimer leurs efforts. Ne lâchez pas vos convictions, vous écrivez l'histoire, le soleil se lèvera ensuite et vous trouverez du réconfort. Moi je vis loin des foules et sans mon avis les faits roulent. Aussi je les regarde concourir à tous les destins. J'écoute le fond des choses, pas d'idées neuves qui se proposent, mais nous faut-il toujours des textes pour mettre une limite aux instincts. Caché au regard du grand nombre, j'ai mêlé la lumière et l'ombre dans mon esprit qui s'interroge, ma silhouette se dessine. Parmi ceux qui sont à l'écart pour rassembler leur être épars, qui poursuivaient les routes des vérités qu'on assassine. La vie ne propose pas grand chose, si la société fait de toi une pièce qui semble n'avoir sa place qu'en attendant qu'on change de machine. Inconnu parmi les gens, je trace le sentier de ma voix.